je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera un haul mode, alors un haul mode grande taille. Je suis ravie car j'ai été contactée par une nouvelle marque qui s'appelle Roazo. Alors c'est un site de vêtements asiatiques qui vend un petit peu toutes les tailles. Alors moi j'ai eu la chance de choisir parmi une sélection grande taille. Je peux vous dire que j'ai trouvé de ces pépites, alors là on va faire les try-on, hein. Mais j'ai pour vous un petit code promo de 10%. Donc je vous l'affiche ici, je vous le mettrai également en barre d'infos et en fin de vidéo. Tout d'abord, donc je vous montre comment c'est arrivé. Donc c'est arrivé dans des pochettes comme ça transparentes, un peu comme tous les sites chinois d'ailleurs. Donc c'est un petit zip, hein, voilà. Donc ce que j'ai pris tout d'abord, c'est un espèce de polaire doudou, on va dire. C'est un petit pull comme ça, un sweat doudou. Alors vous me reconnaîtrez évidemment dans ce pull puisqu'il y a la couleur camel. Et moi en ce moment je suis à dôme sur du camel. On a des impressions animalières. Les manches sont en imprimé léopard comme ça. Mais si vous saviez comme c'est tout doux, mais tout doux, tout doux, tout doux. Donc j'ai pris cet article en 4XL. Alors ce que j'ai fait, c'est comme pour les autres sites chinois, hein, j'ai pris mes mensurations et puis je me suis fiée au tableau des tailles pour chaque article. Je le trouve assez sympa, très très doux. Alors je ne sais pas si j'oserais mettre ça en extérieur parce que moi c'est vrai que je ne suis pas très, très matière doudou comme ça. Quoique franchement en hiver ça passe, hein. Cette année là c'est vraiment à la mode de toutes ces petites choses là. On passe à cet article là. Alors c'est un sweat en taille 4XL également. Alors cette fois-ci il n'y a pas de zip, c'est une pochette qui se décolle. Tout ça, bon, c'est pas bien grave, hein. Donc c'est également un sweat qui est plus faible mais qui est de très bonne qualité, hein. J'ai déjà tout essayé, il est de très très bonne qualité, rien qui dépasse. Les manches sont resserrées et ce qui m'a plu moi c'est le honey avec la petite abeille là, donc peau de miel quoi, c'est assez mignon avec le petit miel là, voilà voilà. Et un sweat quoi, un sweat noir assez banal, bon il est quand même assez fin, je sais pas si vous verrez, on le voit un petit peu en transparence, mais si vous mettez un t-shirt dessous il n'y aura pas de souci. Voilà, il est très 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 joli, j'aime beaucoup ce petit sweat bien sympathique et c'est du 4XL. Ah, et je remarque que c'est un Shein, donc c'est de la gamme Shein Curve. Sur ce site on peut trouver du Shein, mais lorsque moi j'ai commandé il n'y avait pas du tout marqué que c'était du Shein. Bah franchement je suis ravie, vraiment ravie, parce que vous connaissez mon amour pour ce site. Alors du coup je suis plutôt contente, mais je sais que les articles chez Shein sont toujours de bonne qualité. Enfin moi quand je commande pour l'instant je suis tombée que sur de la bonne qualité, donc je suis vraiment ravie ravie. Alors celui-là est très joli, c'est ma taille, mais le problème c'est qu'il est vraiment trop court. Moi je mets pas de haut qui arrive au-dessus du ventre, hein. Moi je mets des hauts qui arrivent par ici, parce que là on voit mon ventre, hein. Je déteste ça, c'est pour ça que j'ai gardé mon débardeur en dessous. Donc celui-là malheureusement bah, je vais pas le garder, hein. Du moins je pourrais pas le porter, ou je le porterai peut-être chez moi, ou je le donnerai à quelqu'un qui fait à peu près cette taille et qui aime avoir les hauts au-dessus du ventre, mais moi j'aime pas. Sinon il est de très bonne qualité. Il est très joli, franchement j'aime bien l'effet qu'il avait sur les manches et tout, mais c'est trop court. Suite à nouveau dans une pochette zippée, je l'ai pris en 4XL, donc c'est une petite surchemise comme ça que j'aime beaucoup. Alors, vous savez que je kiffe les surchemises, vous me voyez souvent avec la jaune à carreaux, là d'ailleurs vous l'aimez beaucoup, vous n'arrêtez pas de me dire qu'elle est super jolie à chaque fois que je la porte. Donc là c'est une surchemise un peu plus fine que celle que j'avais. Mais elle est vraiment très très belle, très très longue. Derrière elle fait liquette, vous voyez un petit peu la base arrondie. Ah, j'avais pas fait attention qu'elle avait des poches en contrebas là. Mais c'est assez original d'avoir des poches à ce niveau là. Je sais pas si oh, ça va tomber sur la poitrine ou ça, je sais pas. Enfin franchement c'est super joli. Le tissu est de très très bonne qualité, je sais pas ce que c'est, on va le regarder tout de suite. Hein. Parce que là c'est un tissu vraiment très très agréable. Ah bref, eh c'est encore du Shein. Bah décidément je le savais pas et ça me fait vraiment plaisir que ce soit du Shein. Alors lavable à machine, bah,
Vous m'étonnez que la qualité est bonne, c'est du 100% coton. Donc franchement, je suis contente d'avoir bien choisi comme ça. Mais elle est trop belle, vous voyez, c'est arrivé, repassé et tout, c'est même pas froissé. Elle est trop belle, j'adore les tons crème comme ça. Crème et un petit peu bordeaux clair, j'aime beaucoup là pour l'hiver. Là, je vais me régaler à porter ça par-dessus un t-shirt, par-dessus une autre chemise, pourquoi pas. Par-dessus une petite blouse, même peut-être par-dessus une robe toute noire, ça pourrait peut-être être super sympa. Elle a des manches que l'on peut retourner, vous voyez, vous avez des petits boutons là, mais vous pouvez retourner sur les bras, ça fait un effet assez sympa également. Bah franchement, trop trop belle. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne me souviens pas du prix, hein, mais je vais tous vous les afficher. Mais franchement, superbe. On a carrément le pochon cette fois-ci, donc on est bien chez Roiseau, ouais. Mais j'ai reçu du Chine, je suis trop ravie. Donc là, ça fait déjà 3 articles Chine, où ils étaient tous Chine. Dans le premier, pas Chine, je crois. Un gilet en 4XL. Alors, je vous montre ça tout de suite. Alors, c'est pas du camel, hein, mais presque. Hein. C'est un espèce de bordeaux un petit peu marronné. Alors, c'est un joli gilet comme ça, j'ai craqué dessus. Mais il est vraiment trop trop beau, il est trop doux, il est super agréable. On a des manches longues. Alors je pense pas que ce soit un tissu qui tienne très très chaud, mais ça va quand même. Pour l'automne et l'hiver, là c'est quand même bien suffisant si vous mettez une chemise dessous, une robe. Non, je pense que ça ira. Donc ici, on a des jolis boutons comme j'aime en ce moment. Vous voyez des boutons un peu marronnés, un peu écailles de tortue comme ça. Et en bas, ça se resserre. Voilà, c'est vraiment super mignon. Alors, je pense que ça portait sur une robe toute noire, ça peut être super sympa, ou toute unie. Une robe d'hiver qui sont pas manches longues, et je pense que ça, ça peut très bien aller avec. J'aime bien cette maille, là, je sais pas comment on appelle cette maille, on dirait un peu du nid d'abeille. Je sais pas, je vous dis peut-être des bêtises, hein. Mais je trouve que ça y ressemble. C'est vraiment assez mignon, j'aime beaucoup. Ça, je vais adorer, c'est super agréable comme matière. Ensuite, le retour des carreaux et du mode bûcheron un petit peu. On se retrouve en mode bûcheron. Alors j'ai voulu prendre cette veste. Alors j'adore. C'est une surchemise sur veste, mais alors épaisse cette fois-ci. Voilà, c'est pas un manteau, mais c'est pas une chemise. C'est entre les deux. Je l'ai essayé, j'adore. Je vous dis déjà, je l'adore. Donc elle est comme ça, à carreaux noir, à carreaux noir plein, noir rouge et rouge. Elle est très épaisse. J'aime trop. On a, vous voyez, devant, il n'y a pas de bouton, non, il n'y a pas de bouton, mais ici, on a un joli col, et là, vous voyez, ça va retomber, enfin, vous le verrez mieux porté, hein, mais ça va retomber devant, comme ça, ça va faire super joli, et ça, pareil, ça peut passer sur plein de tenues. Alors, la longueur, c'est au-dessus des fesses, voilà, il me semble qu'elle n'est pas très très longue, ni très très courte, mais en plus, les finitions sont bien, parce qu'on a un liseré, là, vous voyez, on a un liseré noir tout le long devant. C'est pas un fini, vous voyez, coupé. C'est vraiment bien terminé, bien fini. C'est super joli. Pareil pour le bas. Alors, j'avais pas vu ça quand je l'ai commandé. Je suis bien contente. La couture est parfaite. Elle est pratiquement invisible. C'est, mais c'est sublime. Hein. J'aurais peut-être dû vous le montrer sur le cintre. Mais bon, de toute façon, je vais vous le passer. Hein. Mais c'est superbe. Il me tarde vraiment de le mettre. Mais vraiment, vraiment. Et je vous ai dit, oui, 100% polyester. Super. Que dire, encore un coup de cœur. Je trouve que cette veste ou surchemise très épaisse est vraiment mais
super bien taillé. Ça arrive très bien, tout pile au poignet, super, pas trop court, pas trop long, pas trop large, tout ce qu'il faut. On peut passer un pull en dessous sans problème. Moi je l'ai mis avec le débardeur juste pour vous montrer ce que ça peut faire avec du noir. Là j'ai un jean tout noir en dessous aussi, donc franchement ça fait un ensemble, mais vraiment super sympa, j'aime trop. Je pense qu'au-dessus d'une robe toute noire, ça peut être magnifique aussi pour sortir. Mais là, c'est un coup de cœur, comme je vous disais. Ici, c'est ça que je trouve qui fait très très joli, là, ce col comme ça, là. C'est mais trop beau. Les finitions sont impeccables, comme je vous disais, dans le haul. Franchement, je suis... mais c'est encore un coup de cœur. La robe est un coup de cœur, mais alors ça, c'en est un aussi. Il me tarde de sortir juste pour le mettre. Je vous jure, j'adore, je suis fan. Ah, c'est superbe. Je sais pas ce que vous en pensez, mais dites-moi ce que vous pensez de cette chemise, de cette surchemise, de cette veste. Là, je peux la mettre en tant que surchemise avec un autre manteau au-dessus parce qu'il fait très 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 froid. On a eu jusqu'à moins 2 hier. Et ensuite, ben, lorsqu'il fera un petit peu meilleur, je la mettrai toute seule au début du printemps. Voilà. Ou même les jours où il fait pas froid, ou les après-midi des fois, parce qu'on a de beaux après-midi, hein, quelquefois. Là. Franchement, super. J'adore, merci oiseau, j'adore. Et ensuite, le dernier article, c'est une robe. Alors cette robe, je l'avais repérée sur plusieurs sites chinois déjà, mais j'avais pas osé la commander à cause de la taille. La taille n'était pas tout à fait conforme à mes mensurations, mais j'ai voulu tenter quand même. Et j'ai bien fait, parce qu'elle me va nickel. Je suis trop contente. C'est une robe, vous allez voir, qui est très 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 longue. Elle arrive jusqu'au pied, elle a des manches longues. Et la couleur là, un petit peu moutarde, j'ai adoré. Donc c'est un crêpe épais, la matière c'est du crêpe épais. Donc c'est parfait, parfait pour la saison. Elle est trop belle. Ici on a des petits attaches qui retombent sur le devant pour faire assez sympa là, le décolleté. On a un élastique sous la poitrine ici, qui s'étire quand même, regardez, pas mal. Manche évasée au poignet. Mais je trouve ça super joli. L'arrière est comme ça. Voilà. Et elle monte. Voilà, elle est très très longue. Comme je vous dis, elle arrive jusqu'aux chevilles. Et là, pareil, les finitions sont parfaites. Elle est, mais je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'elle est magnifique. J'ai totalement, mais alors totalement craqué là-dessus. Elle est superbe. La ceinture, vous voyez, elle est un peu épaisse dans le dos. Du coup, on a un bon maintien de la poitrine, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais dites-moi, mais moi c'est le coup de cœur de la commande, mais vraiment le coup de cœur. Et je pense justement, vous voyez qu'avec cette petite robe, on peut peut-être mettre le gilet que j'ai eu tout à l'heure. Le petit gilet là, un petit, c'est plus sympa parce qu'on a la même couleur. Vous voyez sur la manche, on a la couleur du gilet ici. Et je trouve que du coup, ça peut très bien aller ensemble. Comme vous l'avez vu juste avant dans le petit passage en musique, cette robe est juste magnifique. Regardez les manches qui sont larges comme ça, je trouve ça trop mignon. Là pareil, encore une fois, ça arrive tout pile au poignet, donc c'est parfait. Je fais 1m65 hein, pour vous référer à la taille un petit peu. Donc la robe est pile en bas, elle ne touche pas le sol. J'ai juste des petites bottines où il y a une petite talonnette de même pas 1 cm. Voilà, donc si je mets des talons, c'est encore plus parfait. Mais sachez que je fais 1m65. Après, à vous de voir, voilà, si vous portez ça avec des talons ou avec des compensés ou même avec des bottes. Moi, j'ai pensé, je pense à la mettre avec des bottes qui seraient marron camel. Voilà, je trouve que c'est super sympa. Ou même avec des bottes noires. Après, moi, j'ai mis ça vite fait. Hein. J'ai mis les petites bottines blanches western. Bon, ça va pas avec le style de la robe. Hein, mais je les ai mises juste pour vous essayer avec un minimum de talonnettes pour que vous voyez à peu près jusqu'où arrive cette robe réellement, voilà. Mais sinon je trouve que franchement elle est magnifique, elle est en crêpe assez épais, donc du coup vous n'aurez pas froid. Et je vais vous passer le gilet. Alors on va passer le petit gilet parce que comme vous pouvez le voir, on a exactement la même couleur ici, voilà. On va le passer, je vais l'ouvrir. Donc vous voyez ce que ça peut donner avec le gilet.
Donc même le gilet, vous voyez, ouvert, seulement fermé, avec le petit nœud là, super sympa, en bas du gilet. Ça peut être un style aussi, pas trop mal. Voilà ce que ça donne. Et franchement, les deux tissus, un sur l'autre, vraiment, ça réchauffe. Je peux vous dire que ça tient chaud. Là, j'ai chaud. Franchement, c'est très très joli. Bon, après, si on le ferme, bah, évidemment, on voit plus le haut de la robe, donc il y a un peu moins d'intérêt. Mais on peut peut-être fermer juste deux à trois boutons. Oui, voilà, juste deux boutons. On laisse ouvert comme ça. C'est pas mal, hein. Franchement, si vous avez peur d'avoir froid, vous mettez ça comme ça. Vous pouvez même encore mettre un débardeur en dessous. Ou vous savez, les petits maillots de corps, la noire, qui sont un peu thermolactiles, là. Plus ça, les petits collants en dessous de la robe, une belle veste par-dessus camel. Oui, bien sûr, moi et le camel, je rêve de m'acheter une veste parce que j'ai cassé ma doudoune, la fermeture de ma doudoune. Donc, j'ai bien envie de me racheter une veste camel ou jaune moutarde. Voilà. Bon, je vais peut-être rester dans le classique et me trouver une noire. Ce serait pas mal aussi parce que je n'en ai pas. Mais franchement, revenons à nos moutons. Comment trouvez-vous cet ensemble? Moi, franchement, je trouve que c'est, vous voyez, super joli. Ça arrive pile où il faut. Ça peut être porté ensemble. Je trouve que c'est plutôt pour les dit en tout début de vidéo. Vous avez un code promo de 10%. Je vous le mets ici. Donc n'hésitez pas à passer. N'hésitez pas à dérouler la barre d'infos. Je vais vous mettre tous les liens des articles et le code promo. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de tous ces articles, si vous pensez qu'ils me vont bien ou pas. Si vous avez craqué sur certains de ces articles, si vous connaissiez déjà ce site. Moi, je ne le connaissais pas du tout, mais je suis vraiment ravie qu'il m'ait contacté parce que ça me fait découvrir d'autres fringues grande taille. Parce que c'est vrai qu'en grande taille, on n'a pas grand-chose chez nous. Et là, les sites asiatiques, ben, franchement, ils sont au top. Ils sont au top de la qualité, au top des tailles, ils nous proposent des choses tendances. Moi, je suis vraiment ravie. Ben écoutez, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à partager, vous abonner. Et je vous fais de gros bisous. Bye bye!